Et salut à tous, on se retrouve les amis sur Super Toxcart. Ça fait des bails et demi. Super Toxcart qui a plein de nouveautés, hein. Je suis actuellement en version 0.9.2 RC1. C'est en fait la toute dernière version qui est disponible. C'est une bêta donc de ce que sera la 0.9.2 que vous aurez dans quelques semaines. Quelques jours, quelques semaines, je sais pas exactement. Ça dépend de tout des bugs qui seront trouvés. Et nous, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un peu de chasse aux bugs, justement. Ça, et tout en découvrant, bien sûr, des nouvelles fonctionnalités. Donc, première chose, je sais pas si vous avez remarqué, la police de caractère a été modifiée. C'est de l'Ubuntu maintenant, ce qui permet d'avoir. De plus avoir besoin de redessiner une nouvelle lettre à chaque fois qu'il y a une nouvelle langue qui est supportée. Ce qui arrivait régulièrement. Voilà, ça, c'est dit. Sinon, ben, d'un point de vue strictement fonctionnement comme ça, il n'y a pas de gros changements. Ouais. Par contre, j'ai moi des nouveaux changements de mon côté aussi niveau matériel, puisque j'ai pu acquérir à très bon prix une carte GTX 980 qui va remplacer la 760 que j'avais jusque-là, ce qui permet de jouer à Super Toxcart en ultra à 60 images secondes. Hein, juste pour que vous ayez une idée, ce que j'ai mis tout au maximum, sauf le filtre des textures en anisotrope x2 seulement, parce que je ne vois pas la différence, et par contre, la carte graphique, elle sent la différence, elle est beaucoup plus réactive comme ça. Voilà, sinon, bah, comme on voit aussi, donc là c'est toujours le Ubuntu, sauf que c'est au coloré, tout simplement en fait, hein. Mais de nouveau, ça permet d'avoir quelque chose de plus agréable, en tout cas, pour l'utilisation. Oh, maintenant Sarah s'appelle la pilote ou l'enchanteresse. Oh, donc on a des traductions de noms dans les trucs. Je savais pas, je découvre en même temps que vous, donc vraiment, j'ai juste joué quelques minutes avant. Alors là, il y a un nouveau mode de jeu qui est apparu. Bon, je vois tous les modes de jeu parce que j'ai le mode développeur activé, mais il y a course contre un enregistrement, visiblement, donc on va pouvoir jouer contre ses propres courses qu'on a déjà jouées. Et vous voyez, j'ai déjà joué 3 courses, hein. Bon, le foot tout seul, c'est bien gentil, mais voilà, Battle 3, vous pareil. Sinon, bah, les trois trucs, classique. Donc, on va pour l'instant pas se battre contre un fantôme, par contre, on peut partir là-dessus. Et regardez ce qu'on a comme course. Alors, dans les courses normales, vous noterez que les abysses antédiluviennes, qui étaient avant payantes, sont devenues donc gratuites, c'est inclus maintenant dans le jeu. Apparemment, par contre, c'est pas encore le cas pour Candela et le temple Cacao. Est-ce que c'était celui-là? J'ai un doute. Qui sont donc apparemment toujours en DLC. Je ne suis pas sûr, hein, c'est à confirmer. J'ai pas, pour être tout à fait honnête, j'ai pas discuté avec ça, de ça avec qui que ce soit, autre de Sam Uncle, que je salue au passage si tu me vois, mon cher ami. Voilà, je fais vraiment ça un peu au pied levé, hein, parce que j'ai découvert que ça existait, je suis toujours en examen, et puis d'abord, c'est ma vidéo, c'est moi qui décide. Non, mais je suis en examen, donc je révise, et je n'ai pas le temps d'enregistrer. Par contre, quand j'aurai le temps d'enregistrer pour une main test, ça va être magnifique, hein, je vais pouvoir faire des enregistrements en 4K, et après me promener en panning sur l'écran pour les timelapses, ça peut être merveilleux, mais c'est pas le sujet. Sinon, nous avons une nouvelle course qui s'appelle Île Volcanique, sur laquelle on va pouvoir aller faire un petit tour. On va mettre des IA. Alors pour le coup, mince, j'ai pas regardé qui était l'auteur de la course. Enfin, c'est pas grave, voyez. Par contre, ce qu'on voit tout de suite, c'est que je suis en ultra, donc ça change un peu visuellement quand même, hein. Et du coup, ça permet d'enregistrer en 60 FPS en 1080. C'est assez la classe. Donc, une petite course qui est très sympa. En tout cas, sur ce début. Avec pas mal de nouvelles choses. Notamment, je me demande si la texture là au sol est pas nouvelle. Voilà. Après, c'est vrai que ça reprend un peu la thématique de l'île qui a déjà été souvent explorée dans Super Toxcart. Ouais, les effets d'éclairage, hein, éclairage dynamique avec les couleurs en rouge, c'est assez cool. Voilà. Ok, ah, par contre, vous noterez peut-être, comme moi, j'ai un tout petit souci avec cette course, c'est que je la trouve un poil vide pour l'instant. Mais là-dessus, je fais tout à fait confiance aux devs pour nous faire, pour nous pondre des petits détails ici et là qui rendront le truc encore plus fun. Mais voilà, c'est une île sympa, ça tourne,
ça tourne pas mal, ce qui permet de travailler un peu sur le dérapage. Et c'est peut-être pas plus mal parce que c'est vrai que c'est pas forcément évident. Et alors là, on arrive sur un truc. Première fois que je suis passé là, j'étais à quoi, route fermée? Mais c'est quoi cette histoire? Effectivement, la route est fermée. Voilà. Et pas pour longtemps, heureusement. Alors, et là maintenant, on va arriver à un endroit que je trouve juste magique. Voilà, cette grotte avec la lave comme ça, c'est juste waouh. On a l'impression qu'on va se faire retirer la tronche. Moi, je trouve ça super cool. Je mettrais bien une petite cascade de lave, mais voilà, elle est juste géniale. Ok, et du coup, elle est sur deux tours celle-là. Je sais pas si elle est incluse ou pas. J'ai pas regardé. Dans un Grand Prix, pardon. Oui, j'ai dérapé en route. Et là, on a donc, comme si on regarde sur la carte, on fait un petit 8 comme ça. Il y a deux choix possibles. Voilà. Alors là, on va juste regarder le panneau. Surtout que j'ai un peu de temps devant moi, hein, vu où sont les IA. Qu'est-ce qu'on a sur le panneau? 2 km. Ah, attention, il y a des bordures dangereuses sur 2 km. Ok. Tiens, Nolok, tu te tailles. Merci, c'est moi qui joue, c'est pas toi. Mais voilà, sinon c'est un très bon début cette course, franchement. Assez simple, mais c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Même si nouveau sur ce petit bout ici, je mettrais bien 3 détails de plus. Je sais pas quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer à cet endroit-là? Je mettrais bien un tiki ou deux en fait. Vous savez, ces gros statues totem. Polynésien. Voilà, je crois que c'est polynésien. Sauf erreur de tête, ça passerait assez bien. Voilà, après c'est qu'une suggestion, hein, si c'est pas une obligation du tout, hein, si vous êtes si en tant que spectateur tu es un développeur de Super Toxcart, tu sais développer, n'hésite pas à écouter ou non mes suggestions, fais comme tu le sens, voilà. Alors, ah, il y a aussi un panneau là, on va voir ce que c'est, je pense que ça va être fais gaffe, tombe pas dans la lave. C'est bien ça. Danger d'explosion et de feu. Oh oui, des explosions de lave, là, ça pourrait être magique. De temps en temps, un gros boom qui sort d'un de ces machins, d'un de ces trucs, un de ces petits cratères. Allez, je reprends ma place. Hein. Alors, on a un intermédiaire. Après, c'est tout facile pour moi. Franchement, je me promène actuellement. Hein. Je ne suis pas en train de jouer ma course. Voilà. Ah, nouveau truc avec le petit son pour dire bravo que t'as gagné. Bien, c'est toujours sympa. Alors, on va se prendre un peu dans le mode histoire pour voir s'il y a des différences. Encore une fois, je répète, je n'ai pas du tout regardé ça. Alors, oui, il y a des différences, il y a deux nouvelles courses. Donc, je suppose que c'est les Abysses Antédiluviennes et qui seront certainement à droite. Et à gauche, ce sera probablement celle qu'on vient de faire sur cette île. Hein. J'en sais rien, honnêtement, mais je pense que ça doit être ça. C'est ça ? C'est comme une course île volcanique. Ouais, c'est bien ça. Ok, j'ai cru que c'était. Pour l'instant, j'ai. Mais on va juste revenir en arrière. Moi, j'ai vu un. Pour être tout à fait honnête, j'ai vu un cactus. Et j'ai cru que c'était le. Mais c'est bien ça, il y a un cactus. Ah, du coup, moi, j'ai pensé que c'était celle. La Sienta. Mais c'est bizarre. La Sienta, pourtant, elle est pas. Ouais, pas ici, normalement. Alors, voyons de l'autre côté. Ah, il y a des panneaux maintenant. Nouveauté, je crois. Mais voilà, en tout cas, ce sera une petite mise à jour, bienvenue. Hein, on va pas se cacher. C'est ici, ouais, Abyss Antédiluvienne. Alors, on va jouer sur celle-ci, puisqu'on n'a pas encore été. Et je vais voir s'il y a 2-3 mises à jour qui ont été faites dessus, peut-être. Hein. C'est pas sûr, hein. Honnêtement, elle était magnifique déjà avant, donc il n'y a pas de raison. Mais voilà. Notamment, il y a un truc que je demandais, c'est ce que la vitre que j'avais repérée qui manquait avait été corrigée. Ah, la musique a été changée. Donc, il y a eu de la mise à jour. Ouais, JJ. Ah, elle était là, la vitre. Je crois qu'elle a été remise, ouais. Apparemment. Ah, mais ces effets d'éclairage bleu, c'est juste waouh. Toi-même. Ok, je me suis fait klaxonner, merci. Sympa. Ah là là, les gens qui klaxonnent, ça c'est un truc, je ne comprends pas. À part c'est des Italiens qui viennent de gagner au foot, mais ça c'est un autre problème. Non mais je dis ça parce qu'on a. Quoique les Italiens. Ouais oui quand même oui. Bah écoutez, on mange enregistre, ils viennent de gagner contre l'Espagne et ils ont fait quand même pendant 2 heures de klaxon à peu près. Voilà, je meuble.
Oh, mais c'est... sinon, c'est vraiment chouette. Alors, la fameuse vitre qui manquait était juste là. Ah, bah, ça existe toujours, hein. Voilà, si vous voulez vous promener dans la map. Ouh. Ok, mais en même temps, il faut savoir, hein. Il faut la trouver. Voilà, alors du coup, nous allons voir jusqu'où va ce... cette course. Est-ce qu'on peut aller... Ah, voilà. Et nous venons de partir dans la fond. De l'effond du fond du fond. En fait, je crois que ça a été changé. Il me semble que le trou... a... il y avait le trou avant, mais je crois qu'il a été raccourci. Genre, oui, ok, il y avait un trou, c'était dangereux, bah on te l'enlève, mais on te le laisse un petit peu quand même. On te le laisse un petit peu quand même, si tu veux aller te promener, tu peux. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Il y a un trou là, il y a un passage. Non, on peut pas passer. Voilà, moi je fais comme ça, je vais découvrir des trucs que personne n'a jamais découvert. Et alors là, petit truc fun, vous noterez que en fait, l'effet de « on est sous l'eau », il est en fait ajouté sur des parois apparemment, ou contre les parois, puisqu'en réalité, dès que je suis plus loin dans l'eau, je vois parfaitement clair. Là, c'est limite... j'ai l'impression d'être dans l'air. Mais c'est pas grave, hein, l'effet est là. Alors, j'aimerais réussir à contourner et passer de l'autre côté. Est-ce qu'on va réussir à faire ça? Ah, je pense que ça va être un peu compliqué. Hein. Allez, nouvelle tentative. Oui, parce qu'on est des fous. Hein. Puis que moi, j'ai découvert un truc, alors maintenant, je vais l'explorer à fond. Ah bah voilà. Et là, on peut voir d'autres trucs. Des trucs... J'ai vu un truc passer. Ah oui, ça c'est assez... Ça c'est un truc qui... Une espèce de métro, si je me souviens bien, avec des capsules qui circulent dedans. Je suis plus sûr s'il est dans la version d'origine, mais je sais que j'avais vu sur le fichier 3D donc, de Sam Uncle. Et en fait, il arrive au droit dans un mur. Donc, t'es dans ton métro, puis t'arrives, bam, tu te prends la vie. Tu te prends le... tu prends la roche. Mais c'est pas grave, hein. Bon, ça, c'est absolument pas quelque chose qu'on voit normalement quand on roule, donc... Allez, puis on va encore voir un truc que je sais aussi qui existe, qui est très drôle. Vous voyez les beaux poissons là-bas qui circulent, qui sont en 3D, qui sont magiques et tout? Ben, je sais que si on s'approche de très près, on se rend compte que c'est juste un ruban, en fait. C'est une texture. Voilà, voilà. Comme ça, vous découvrez des trucs grâce à moi. Ouais. On n'arrive pas tellement... Oula. Oh, le trou. Oh, le trou. Hé, j'essaie d'accélérer, ça marche pas. Voilà, c'est un ruban, en fait. C'est cool, hein. Défi perdu. Oh, j'ai perdu mon défi. Bon, c'est pas grave. Ok, et alors on va quand même aller voir un truc. Un dernier truc, celui-là, je sais que je l'ai vu. C'est pas grave. Ok, on va repartir là-dessus. C'est bizarre, j'aurais pensé qu'il y aurait un retour direct au menu jeu. Mais un dernier truc que j'ai vu encore, une grosse mise à jour sur une course. On va prendre Conquis. Une grosse mise à jour sur... Où est-elle? Je l'ai perdue, bien sûr. Attendez, parce que j'ai perdu le château de Nolok, là. Dont j'ai oublié le nom, d'ailleurs. Fort Magma. Ah, bah voilà, elle est ici. Voilà. Et alors là, il y a des jolis petits trucs qui ont été rajoutés. Est-ce que c'est pas beau, ça, niveau couleur, franchement? Enfin, niveau éclairage. Ça, c'est un truc qu'on n'avait pas du tout avant, hein. Cet éclairage dynamique. En tout cas, de loin pas autant et de loin pas aussi bien exploité. Là-dessus, alors, Sam Uncle, chapeau. Et il y a... Ouais. Après, j'ai vu 2-3 trucs aussi plus loin. Je crois qu'on a... Il me semble qu'on a une bordure de... Sur laquelle on devrait pouvoir aller se balader si on souhaite. On va pas le faire là. Je vous laisserai trouver si jamais. Oui, voilà, à droite, je crois qu'on arrive à aller sur le basalte et puis se promener un peu, si on veut. Voilà. Et c'est vrai que ces effets de chaleur, c'est le même genre d'effet que ce qui est utilisé pour l'eau, hein, sous la mer, c'est vraiment... Moi, je trouve ça magnifique. Madame trouve ça, que ça la rend malade, mais... mais voilà. Moi, je trouve que c'est magique. Ok, enfin, en tout cas, tout ça, ça présage beaucoup de bonnes choses pour Super Tox Kart. Je suis assez content pour le jeu. C'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo dessus, parce que... pour tout avouer... Ça manquait d'un petit quelque chose à force, et c'est vrai que là ça me motive beaucoup plus simplement d'avoir
ma nouvelle carte graphique qui gère nettement mieux les la haute résolution, parce que bon, là je joue en Full HD, mais en fait je joue du coup en fenêtré et j'ai une partie de mon écran qui ne sert à rien. Oui, ça y est, je suis une pauvre victime malheureuse qui a un superbe écran. Non, mais c'est vrai que quand je joue en QHD sur mon écran standard, j'avais le choix de le redimensionner en Full HD, en plein écran, ce qui était moyen parce que j'ai des pixels quand même qui se promenaient un peu partout. Ou alors jouer en QHD mais en baissant fortement les détails. Donc, sinon ça. En absolu, avec ce niveau de détail là, je ramais, j'étais à 20 images secondes, donc c'était pas jouable. Tandis qu'à 60, c'est juste parfait quoi. La preuve, cette vidéo est enregistrée en 60, ça c'est beau. C'est aussi un truc que je pensais jamais pouvoir faire, donc voilà. Ça fait plaisir. Bref. Alors, comment on est? On est au troisième tour, c'est parfait. Alors, petit virage sur la droite. Allez, et le mur, histoire de finir bien comme il faut toi derrière. Oh, j'ai quand même réussi à dépasser Nolok. Ok, j'ai le droit aux applaudissements, quelle chance j'ai. C'est un joli petit ajout, c'est très simple, mais ça fait le job, ça rajoute un petit peu de vie. Ok les amis, alors du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire si ça vous a fait plaisir de retrouver du Super Toxcart ou un petit pouce hein, aussi. Dernière chose, je vous le dis encore en vitesse comme ça parce que je me fais de la pub. Je suis actuellement en possession de une carte GeForce GTX 980, 980, comme vous voulez, en plus de celle que j'ai dans mon ordi. Elle vient de chez Gigabyte, elle est gigantesquement grande, je vous mets la référence. Et puis également ma GTX 760, et je vais devoir les revendre. Alors, a priori, je vais les mettre aux enchères à partir de 300 francs pour la 980 et 120, je pense, pour la 760. Je vous mets les prix en euros en même temps. Je vais les mettre aux enchères, mais si j'ai quelqu'un dans mes abonnés ou des gens qui ont regardé cette vidéo qui est intéressé, il peut me contacter avant le 1er juillet. Et à ce moment-là, je lui fais au tarif que j'ai indiqué. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt.